Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où c'est la dernière fois, je pense, que je vais aborder le sujet de New York. Si vous ne les avez pas vus, je vous ai fait une première partie et une deuxième partie du déroulé de mon voyage à New York. Et ce soir, dans cette vidéo, je vous retrouve dans quelque chose d'un peu plus simple où je vais vous montrer les souvenirs que je me suis ramenée de New York et vous donner ma liste de pour et de contre, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié dans cette ville. Voilà. Comme je sais que vous êtes des petits curieux, on va commencer par les souvenirs que je me suis ramenée et puis après, bah, si vous voulez pas continuer la vidéo et avoir mes conseils, c'est ok, vous pourrez quitter la vidéo. Bon, je pense que vous l'avez vu, j'ai déjà ce t-shirt. En réalité, j'en ai ramené trois. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, NYPD, c'est New York Police Department. Donc c'est un peu un t-shirt de police, en quelque sorte. Fun fact, ils en vendent dans toutes les boutiques de souvenirs. Je pense pas que sur Paris, on peut trouver un t-shirt police municipal, mais peut-être que je me trompe. Il y a une raison pour laquelle j'ai acheté ce t-shirt. C'est tout simplement parce que je suis une grande fan de la série Brooklyn Nine-Nine. Et Brooklyn Nine-Nine, c'est l'histoire, la vie d'un poste de police dans Brooklyn. Voilà, et ils portent des t-shirts NYPD, des tenues de policiers NYPD. Donc voilà. Fun fact, les trois t-shirts que je me suis ramenés, je les ai pris en double XL. D'ailleurs, ça les rendait fous à chaque fois, les propriétaires des boutiques, parce qu'ils me disaient: oh, mais vous faites un M, ça vous ira très bien. Je leur disais: je veux la plus grande taille que vous ayez, en fait. Ça les rendait dingues à chaque fois, mais quand je leur expliquais que c'était parce que je voulais pouvoir dormir avec, pour que ça fasse une chemise de nuit, ou juste mettre un legging en dessous et voilà, être habillée comme ça, ils comprenaient. Ils me disaient: vous n'êtes pas la première à nous faire ce genre de demande. Donc je les ai tous pris en double XL, je pense que ça se voit, c'est vraiment pas ma taille, mais qu'est-ce que je suis à l'aise dedans, vraiment. J'en ai pris un autre NYPD complètement différent, celui-là il est bleu marine et jaune. Voilà. Je suis plutôt contente, à vrai dire, de les avoir trouvés. Au début je me suis dit, bon, à la base j'étais pas partie pour me ramener des souvenirs, puisque le seul souvenir que j'aurais voulu de New York, qui m'a été offert par une amie qui est allée à New York et elle m'a ramené une tasse Starbucks New York, puisque Starbucks a mis en place une collection de tasses selon la ville où vous allez. Voilà. Et je me suis dit, bon, je me ramènerai pas forcément de souvenirs. Et quand je les ai vus, au début, je me suis dit, je vais regarder sur Amazon tout simplement, parce que si je peux les acheter depuis Paris, ça sert à rien. Et finalement, en fait, on les trouve pas. Donc je suis contente. J'ai deux t-shirts NYPD. Bon, je ne suis pas crédible dans mon rôle de flic, mais c'est pas grave. Et le dernier t-shirt, je l'ai pris au Muséum d'Histoire Naturelle. J'avais envie de me ramener un petit souvenir de là-bas, mais j'avais pas envie de me ramener une peluche ou quelque chose comme ça. Et je suis tombée sur un t-shirt qui est vraiment trop beau, en gris chiné. Voilà. Et il y a marqué American Museum of Natural History avec la date 1869 et la tête d'un T-Rex que j'ai également pris en double XL pour pouvoir me faire un pyjama ou juste mettre un legging en dessous, un jean, une paire de baskets et partir comme ça dans la rue. Voilà. En termes de t-shirt, c'est tout, je vous ai tout montré. Une chose à laquelle j'ai pensé avant de partir, et je me suis dit, si je dois me ramener un souvenir de là-bas, ce serait peut-être ça, c'est ma copie du New York Times. Voilà. À la base, je voulais qu'elle soit datée du jour où on est arrivé à New York, c'était donc le lundi 6. Malheureusement, entre le moment où on est sorti de l'aéroport, aller jusqu'à l'hôtel, se poser un peu à l'hôtel et essayer de visiter un peu les environs, bah généralement les gens prennent leur journal le matin, donc il n'y en avait plus. C'est pas grave, puisque quand on est allé à la gare centrale de New York, on a trouvé un kiosque qui vendait des journaux et j'ai ma copie du New York Times. Voilà. À la date donc du 7 février. Et non pas le 6. Bon, malheureusement, c'est la une de ce journal, c'est tout simplement le séisme qu'il y a eu en Turquie.
Et en Syrie aussi, donc voilà, c'est pas bon. Je m'attendais pas non plus à avoir une incroyable, mais j'ai ma copie du New York Times. Fun fact, ça coûte 3 $ et il y a quand même pas mal de revues. Bon, j'ai pas tout lu, je vais pas vous mentir. Et je trouvais que c'était une idée de souvenir originale en fait, de juste revenir avec le New York Times daté d'un jour où vous êtes à New York, si vous n'avez pas d'idée de souvenir, de cadeau à ramener à quelqu'un proche de vous, si vous allez à New York ou même pour vous. Franchement, 3 $, n'hésitez pas, c'est. Voilà, je trouvais ça original comme idée de souvenir pour moi et je suis quand même contente de l'avoir, même si bon, cette une est un peu triste. Sur 1 million de chances, il y avait zéro chance, et j'insiste sur le zéro chance, pour que je ne revienne pas avec des tasses. Voilà. Comment vous expliquer? J'ai un problème. Je pense que vous le savez depuis tout ce temps. J'adore les tasses. Voilà. C'est comme ça. On ne me refera pas. Mais à la base, je m'étais vraiment dit, je vais pas en ramener parce que bon, j'en ai déjà plein. J'en ai déjà une de New York qui vient de New York, d'un Starbucks New York. Donc, je vois pas quelle tasse je pourrais m'offrir. Si seulement, si seulement je m'écoutais un peu plus. On, avec mon cousin, n'a vu sur Times Square un restaurant. Ceux qui auront la référence. Booba Gump Shrimp. J'explique cette référence. Il s'agit de la marque, en quelque sorte, de la société que Forrest Gump crée dans le film éponyme, du coup, en l'hommage de Booba, un soldat qui était son ami qui, malheureusement, n'a pas survécu à la guerre au Vietnam. Voilà. Et ils ont fait un restaurant. Et je trouve ça juste génial. On n'y a pas mangé, mais je trouve ça juste génial. Et bien sûr, il y avait une boutique de souvenirs. Il y avait plein de choses que j'aurais pu ramener, hein, mais bah, du coup, j'ai ramené une tasse. Voilà, je l'ai vraiment trouvée trop belle. Et du coup, il y a marqué Booba Gump Shrimps. Et je trouve, elle est vraiment trop belle, toute simple, colorée. J'adore vraiment. Mes parents, je leur ai ramené une spatule en bois Booba Gump Shrimps parce que pareil, je savais pas quoi ramener à ma famille et je les avais prévenus que un peu égoïstement, j'avais pas forcément envie de me creuser la tête durant le voyage pour leur ramener des souvenirs. Je préférais prendre des belles photos, les faire développer par un professionnel et qu'ils puissent les encadrer à la maison, par exemple, que de leur ramener une babiole, un objet. Mais voilà, j'ai pas pu résister. Il y avait plein de choses vraiment que j'aurais pu ramener de ce magasin. J'adore ce film Forrest Gump. C'est un classique selon moi. Et c'est un film que je regarde un peu façon doudou. Et alors là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films qui se passent à New York, quand le personnage principal prend un café, en dehors des. Comment on appelle ça? Des compagnies genre Starbucks, Columbus, etc. Quand ils prennent un café dans une petite voiturette, un kiosque sur la route, voilà, sur la rue, voilà, ils ont toujours une certaine tasse qu'on voit dans plein plein de films, Men in Black, dans le dernier Spider-Man. Voilà. Et j'ai toujours trouvé cette tasse super belle, enfin ce gobelet du coup super beau. Mais sans plus. Il a fallu qu'il le fasse en tasse. Il a fallu qu'il le fasse en tasse. Et il a fallu que je tombe dessus et que je l'achète. Voilà. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et je sais pas si. Moi, j'ai remarqué ce détail-là dans les films, mais peut-être que certains d'entre vous non, et c'est ok. Mais même dans la rue, ils servent le café. Dans ça, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est moulée comme un gobelet, et du coup, vous savez, le petit défaut du carton qui est replié. C'est pas génial, franchement. Et il y a marqué We are happy to serve you. Nous sommes heureux de vous servir. Et j'adore ce design Grèce antique. Enfin, je connais pas l'histoire de pourquoi des gobelets comme ça. Parce que. Bon, Starbucks a ses propres gobelets, Columbus aussi, Dunkin' Donuts aussi. Mais je sais pas pourquoi est-ce que les petits kiosques dans la rue, quand vous achetez un café, ça vient dans un gobelet comme ça. Bon là du coup c'est en tasse-tasse, mais j'ai essayé de demander à une personne là-bas et bon, ils avaient pas forcément l'air au courant. Je pense que c'est bizarre comme question de dire pourquoi vous servez vos cafés dans des gobelets comme ça. Mais je me dis, il doit y avoir une histoire parce que
Enfin, elle est magnifique, hein. Ils sont magnifiques ces gobelets. Cette tasse est très belle aussi, mais c'est. Je sais pas, voilà. Mais je suis amoureuse de cette tasse. C'est devenu l'une de mes tasses préférées. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que je me retiens de boire mon café du matin dedans pour la garder propre pour cette vidéo. Donc croyez-moi que demain matin, je bois mon café là-dedans. Et on va finir par les trois derniers souvenirs que je me suis ramenés, à savoir que mon cousin m'a offert des livres pour mon anniversaire qui viennent de New York. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai mise en ligne dimanche puisque je vous les montre. Je voulais pas faire la répétition de vous les montrer ici, ils sont dans ma bibliothèque de toute façon. Mais on est passé dans une boutique avec mon cousin qui s'appelle Bath & Body Works. C'est une marque qui a été très populaire sur YouTube. Pendant un moment, toutes les youtubeuses beauté, à chaque fois qu'elles allaient aux États-Unis, elles vous montraient qu'elles avaient ramené des gels pour les mains, avec un petit étui original. Enfin bref, tout le monde allait là-bas et à chaque fois qu'ils allaient aux États-Unis, tout le monde se ramenait des trucs là-bas. Et l'une des amies de mon cousin est fan de cette marque, donc on y est passé parce qu'il s'est dit bah, autant lui ramener un truc qui vient de là-bas. Et il y avait une promotion, etc. Et moi j'ai trouvé trois petits trucs qui m'ont plu. Vous le savez, je pense, je suis très compliquée en termes d'odeur. Il y a des odeurs qui me montent très vite à la tête. Et je suis vraiment pointilleuse. Donc croyez-moi que quand j'ai trouvé ces trois odeurs-là qui m'ont plu, j'ai pris le big format. Parce que je me suis dit, attends, autant en profiter. Donc, je me suis pris de Bath & Body Works ce spray en fait. Ils appellent ça Fine Fragrant Mist. C'est un spray pour le corps, mais c'est entre le parfum et le spray en fait, qui s'appelle Sun, Bloom et Suede. Et à l'intérieur, nous avons Raspberry, c'est framboise, framboise blanche, pétale rose et crème à la vanille. Voilà, ça sent très très bon, sinon je ne l'aurais pas acheté. Voilà, et comme je dis, j'ai pris le big format parce que enfin, je vais pas retourner à New York tout de suite, quoi. Voilà. Ensuite, celui-là, je l'adore. C'est en plus de leur nouvelle collection et je crois que la bougie que mon cousin a ramenée à son ami, c'est de cette gamme-là aussi. C'est le Pastel Sky. Voilà, la bouteille est super belle. Et à l'intérieur, on a. Alors, par contre, ça, il va falloir que. Vraiment qu'on m'explique, soft cloud berries, des douces baies de nuages, voilà, pink spang sugar, donc du sucre rose pétillant, franchement aussi particulier, et de noix de coco, voilà, ça sent excessivement bon. Et le dernier, c'est le Champagne Toast. Toast au champagne. Et on a donc du fragrance, on a champagne, des baies pétillantes et juicy tangerine. Tangerine, en plus j'avais cherché à New York ce que ça voulait dire tangerine. Attendez, je regarde. Voilà, c'est mandarine. C'est un fruit de chez eux qui ressemble à la mandarine. De chez nous, voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que je me suis ramenée en termes de souvenirs. Trois t-shirts, deux tasses, un New York Times et trois, comment dire, sprays pour le corps, vêtements, cheveux. Et les trois livres que mon cousin m'a offert pour mon anniversaire. C'est tout. Et c'est déjà bien. Bien, passons à la partie que peut-être certains attendent. Que. La plupart n'en ont rien à faire et vous avez quitté la vidéo, mais c'est ok. Les pour et les contre de New York. Je ne suis pas une grande fan des grandes villes. Je pense que vous le savez, j'ai fait beaucoup d'anxiété sociale. J'ai très vite tendance à faire des crises d'angoisse. Et c'était quand même un challenge pour moi de partir dans une aussi grande ville, aussi loin de moi. Là où j'avais aucun repère, encore aller sur Paris, ça va parce que j'ai quelques repères. Là, New York, j'en avais zéro. Donc, un gros point positif de New York, c'est que on ne se perd jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est impossible de se perdre à New York. L'architecture de la ville fait que quoi qu'il arrive, vous reviendrez toujours à votre hôtel si c'est l'hôtel que vous cherchez, ou vous trouverez toujours le bâtiment que vous cherchez. C'est catégorisé
première avenue, deuxième avenue, donc comme ça. Et ensuite, c'est clac, 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 clac. Ce sont des carrés, en fait. Vous ne pouvez pas vous perdre. C'est impossible de se perdre à New York. Vous savez que votre hôtel, il est sur la 6e avenue. Vous remontez la 6e avenue et vous passez sur la 31, 32. Et quand, par exemple, je ne sais pas si votre hôtel il est à la 43, vous remontez la 6e, 43, vous tournez, il y a votre hôtel. Impossible de se perdre dans cette ville et j'ai trouvé l'architecture de cette ville tellement intelligente que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on faisait pas ça partout. Un autre point positif qui rejoint un peu comment on appelle ça, l'architecture de la ville, c'est que comme ce sont des carrés, en fait, ce sont des blocs, les voitures ne roulent que dans un sens. Il y a vraiment très peu de rues où les voitures roulent dans les deux sens. Les voitures roulent dans un seul sens, qui de une, je trouve, est vachement plus sécuritaire, parce que pour les piétons, bah, si les personnes qui arrivent de ce côté-là, c'est rouge pour eux, mais vert de l'autre côté, bah, ok, eux, vous n'avez aucun risque qu'ils vous percutent, mais de l'autre côté, oui. Là-bas, comme la ville est carrée, c'est dans un sens, tout le monde roule dans un sens, et de toute façon, même si la voiture, vous loupez votre sortie, vous attendez le prochain bloc, ça vous fait un détour de 2 minutes, quoi. C'est super intelligent. Et je me suis sentie vraiment en sécurité là-bas, en tant que piétonne. Parce que pareil, vous avez le passage piéton, vous avez les feux qui sont au milieu du trafic, donc ça, je pense que rouler là-bas pour la première fois, c'est un peu délicat, mais votre feu est au milieu du trafic, vous avez le passage piéton et ils ont une ligne de stop avant le passage piéton. Combien de fois, et je pense qu'en tant que piéton, vous en êtes rendu compte, les voitures s'arrêtent sur le passage piéton. C'est infernal. Et d'ailleurs, il n'y a pas de passage piéton en pleine rue. Ou peut-être qu'on les a pas vus, mais la plupart du temps, les passages piétons sont au niveau des feux pour qu'il n'y ait pas de risque de percuter quelqu'un. Donc oui, effectivement, sur une rue, bah, ça se trouve, les deux passages piétons sont à l'opposé, mais c'est safe en fait. C'est vraiment, vraiment safe. Et d'ailleurs, les automobilistes respectent beaucoup la circulation, c'est-à-dire que si vous tentez de traverser alors que c'est pas vert pour vous, vous vous faites klaxonner. Ça, pour le coup, ça klaxonne beaucoup à New York, mais pas des klaxons d'énervement comme on pourrait avoir dans certaines grandes villes. C'est vraiment des klaxons de prévention, en fait, de attention, t'es pas sur le trottoir, t'es un peu sur la route, sur le passage piéton. Je klaxonne pour te dire, c'est d'une, c'est pas à toi, mais de deux, j'arrive. Je me suis sentie super en sécurité en fait. En tant que piétonne, à aucun moment j'ai eu un doute que bah, c'est vert pour moi en tant que piéton, mais même si c'est rouge pour eux, bah, il y a d'autres personnes qui peuvent venir. C'est peut-être. Non, en fait, comme ça va que dans un seul sens, qu'ils ont une ligne de stop, il y a le passage piéton et ensuite le feu, donc ils peuvent pas se mettre sur le passage piéton en fait, tout simplement en attendant que le feu passe vert. En tant que piétonne, je me suis sentie super en sécurité. Point positif également, mais ça j'en avais déjà parlé, je crois, quand j'avais fait des vidéos où je parlais de mon expérience en hôtellerie. Les Américains sont des amours, mais vraiment. Et c'est pas juste ceux qui travaillent dans les lieux les culturels les plus visités. N'importe quel endroit où on allait, même pour prendre un petit déjeuner ou même pour poser une question, des amours, vraiment. Mais ça je le savais déjà en fait. Les Américains, quand ils vous disent bonjour, ils vous disent pas juste bonjour, ils vous disent bonjour, comment vous allez? Quel que soit l'endroit où vous allez, ou quelle que soit la personne à laquelle vous posez une question, la première chose qui va sortir de la bouche de cette personne, c'est bonjour, comment vous allez? Et je trouve ça juste incroyable, j'adore en fait. Les Américains ont un rapport à l'autre qui est complètement différent que les Français, on va pas se mentir. Voilà, moi j'ai travaillé dans le service client, donc j'ai cette touche-là, mais il y a des personnes qui sont super froides et on veut juste poser une question, bonjour, bonjour. Et on a l'impression qu'on les a agressés en fait, alors qu'on veut juste poser une question. Les Américains sont des amours, et même mon cousin qui n'a pas côtoyé beaucoup d'Américains au cours de sa carrière m'a dit, mais ils sont géniaux les Américains, ils sont super drôles, ils vous font vivre. L'expérience à l'américaine, même dans les lieux touristiques où ils pourraient être saoulés de voir tant de monde, ils restent gentils, aimables, drôles, ils ont à cœur de vous faire sourire. Je les adore vraiment. Également, si vous allez à New York, je vous conseille de prendre le City Pass. J'ai téléchargé l'application Get Your Guide, c'est pas sponsorisé encore une fois, où en fait vous pouvez avoir vos tickets en fait sur l'application. Mais surtout, vous pouvez acheter le City Pass.
Et le City Pass, ça vous donne accès à 5 grandes attractions de New York. C'est super avantageux, ça vous fait économiser 50% sur le prix des tickets. Grâce au City Pass, on a pu faire la traversée, la visite de la Statue de la Liberté, Ellis Island. On a fait l'Empire State Building. D'ailleurs, ça, j'aimerais remettre les choses en contexte. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent que ça sert à rien d'aller à l'Empire State Building, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre argent, etc. À ces personnes-là, j'ai envie de dire faux, absolument faux. Nous, on l'a fait grâce au City Pass qu'on a pris, donc on n'a rien payé, on a juste réservé l'horaire. Honnêtement, bien sûr que si vous voulez une photo de la skyline de New York avec l'Empire State Building dedans, bah ne montez pas dans l'Empire State Building pour ça parce que vous ne l'aurez pas. Vous avez le Summit ou The Edge ou même Top of the Rock, où ce sont trois autres buildings sur lesquels vous pouvez grimper jusqu'au dernier étage et avoir l'Empire State Building dans vos photos. Mais vraiment, l'Empire State Building, ça reste quand même une expérience, c'est quand même un bâtiment mythique. Moi, je vous conseille d'y aller. En plus, avec mon cousin, un peu par hasard, on y est allé au moment du coucher du soleil. Ça vous explique un peu comment ça a été construit, pourquoi ça a été construit. Il y a un endroit où vous avez des affiches des films King Kong, mais vous avez aussi une reproduction comme si King Kong était en train de grimper le building pendant que vous y êtes, et le coucher de soleil sur Manhattan depuis l'Empire State Building est juste incroyable. Donc oui, si vous voulez juste prendre une photo de haut de New York à voir l'Empire State Building, c'est pas forcément le bâtiment où il faut aller, mais moi je vous conseille quand même de le faire parce que c'est super beau à l'intérieur. Et enfin, s'il y a une histoire derrière, c'est pas pour rien que c'est un des immeubles les plus connu de New York quand même. Mais voilà, moi je vous conseille de prendre le City Pass. Vous avez quand même pas mal d'attractions qui sont incluses et les attractions les plus touristiques. N'ayez vraiment pas peur d'être des touristes, surtout si c'est la première fois que vous allez à New York. Je vois plein de comptes TikTok, plein de comptes Instagram qui vous donnent des conseils pour pas paraître comme des touristes à New York. Soyez des touristes en fait. Ne faites pas semblant de pas en être. Soyez des touristes. Faites les trucs les plus vus, les plus connus. On s'en fiche, vous êtes là pour visiter, passer un beau moment. N'hésitez pas avec l'application Get Your Guide parce qu'il y a plein 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 d'attractions qui sont proposées sur cette application. Par exemple, la visite nocturne de Gotham, etc. En vous expliquant les petites histoires de fantômes, vous savez, ces gangsters qui ont vécu dans New York. Il y a plein de choses super intéressantes. On ne pouvait pas tout faire, bien évidemment, mais téléchargez l'application Get Your Guide et n'hésitez pas à utiliser le City Pass, c'est super avantageux. En termes de points négatifs, la marijuana est légale aux États-Unis et notamment à New York. Vous savez pas le nombre de fois où on est passé à côté de personnes qui ou sentaient très fort la marijuana ou alors fumaient et on s'est pris voilà, la fumée de marijuana dans la tronche. C'est le côté un peu désagréable parce que bah, on n'est pas des consommateurs et je suis sûre que c'est sûr que si dans la semaine on nous avait fait un test, on était positif avec toutes les vapeurs qu'on s'est pris. Mais voilà, c'est le truc un peu dérangeant. Ils fument librement ça dans la rue parce que bah, c'est légal. Mais en tant que Française qui allait sur Paris où ça sent que très peu et les gens se cachent pour le faire, c'est un peu surprenant au début. Les restaurants sont excessivement chers et d'ailleurs, pour le coup, on va pas se mentir, tout est cher en fait à New York. Prévoyez quand même un budget confortable. Je vous dis pas de prévoir de dépenser 1000 euros par jour. Ça dépend ce que vous faites avec 1000 euros par jour, mais non. Mais déjà, tous les prix qui sont affichés, ils sont hors taxes. Donc, même si vous voyez quelque chose qui coûte 20 $, une fois arrivé à la caisse, ça vous coûtera plus cher. Certains magasins vous ajoutent une taxe supplémentaire si vous payez par carte de crédit. Ce sont des frais, voilà, tout simplement. Les restaurants, donc le prix est hors taxe. Et il faut tips, forcément, le serveur ou la serveuse, voilà. Les taxis sont super chers aussi. Même Uber, c'est pas avantageux, très honnêtement. C'est cher là-bas, voilà, c'est cher. Ne vous attendez pas à pouvoir être économe parce que quoi que vous achetiez, quoi qu'il vous plaise dans un magasin ou autre, le prix est hors taxe. Et si vous connaissez pas les taxes ajoutées, que vous ne faites pas le calcul dans votre tête, vous n'aurez jamais vraiment le prix sur l'étiquette qui vous sera annoncé à la caisse. Donc c'est un peu désarmant, ça, très sincèrement. Je trouve ça un peu bof, en fait. Pourquoi ne pas mettre le prix avec les taxes directement? Ça change quoi? Et à la rigueur, sur le ticket, vous séparez taxes, enfin, comme on fait en France, quoi. Nous, on a le prix TTC et sur le ticket, à la fin, ça nous dit combien de taxes on a payé, quoi. Mais bon.
Donc ça, franchement, c'est pas top. Et voilà, les restaurants sont chers. Honnêtement, on a fait un restaurant, ça nous a coûté une blinde pour ce qu'on a mangé. C'était pas... Enfin, c'était bon, hein, je veux pas dire le contraire, mais avec le pourboire de la serveuse, etc. Oui, finalement, c'est cher. Manger, faites-vous plaisir, surtout si vous marchez beaucoup. Allez vous acheter un paquet de chips, mangez un burger, enfin franchement faites-vous plaisir, mais ne vous asseyez pas forcément dans un restaurant parce que ça va vous revenir vraiment cher, surtout si vous faites ça matin, midi et soir. Une chose également que j'ai remarqué, c'est que on nous a pas embêtés dans la rue. Vraiment c'était bien. Quand on allait sur Times Square, forcément il y a les personnes qui sont payées par les agences de tourisme pour vendre les excursions, etc. C'est leur boulot, ils nous accostaient, on devait avoir la tête, enfin on avait des sacs à dos dans le dos donc... On était forcément catalogués comme des touristes. Mais sinon, on nous a pas embêtés. Vraiment, je me suis pas sentie pas en sécurité. Pourtant, quand on a fait la visite du pont de Brooklyn, on est remonté en bateau par l'Hudson. Et on est arrivé vraiment à l'opposé de notre hôtel sur Manhattan. On a marché, il faisait quand même nuit déjà. Aucun problème. Vraiment, aucun problème. On s'est pas fait embêter une seule fois. On n'a pas eu quelqu'un d'insistant qui venait nous embêter, même sur Times Square, quand il voyait qu'on n'était pas intéressé par les excursions qu'il proposait. Il n'insistait pas. Franchement, c'était très agréable. Pour le coup, même mon cousin, ça l'a étonné. Il m'a dit, c'est bizarre que t'aies pas fait de crise d'angoisse. Je lui ai dit, écoute, peut-être parce que t'étais là et je te fais confiance et que bah, si on est dans la merde tous les deux. Mais je me suis pas sentie pas en sécurité, j'ai pas passé mon temps à regarder derrière mon épaule. C'est super propre. Mon Dieu, vous avez pas idée à quel point cette ville est propre. Il y a des poubelles partout, des poubelles en plus écologiques, c'est-à-dire que il y a la poubelle jaune, la poubelle verte, la poubelle grise. Il y a une poubelle à journaux pour que ce soit recyclé et il y a jamais rien par terre. Rien par terre. Franchement, s'il y a quelque chose par terre, c'est vraiment qu'une personne a vraiment voulu le faire exprès de déposer ça par terre parce qu'il y a des poubelles à tous les coins de rue. C'est propre. Il y a des policiers partout. Vraiment. Nous, on était... Il y avait la rue de notre hôtel et la rue ensuite, c'était la Diamond Street. C'était là où il y avait tous les revendeurs de bijoux. Ils achetaient des bijoux, les revendaient, beaucoup d'or, beaucoup de, voilà, de bijoux assez précieux. Donc déjà, il y avait la police qui était dans cette rue, forcément. Mon cousin l'aimait pas trop cette rue. Moi, je me sentais pas en sécurité. Lui, il l'aimait pas trop quand il pouvait l'éviter et il nous la faisait éviter. Moi, j'avais aucun problème parce que, bah, encore une fois, c'est que des boutiques de bijoux. Donc il y a des caméras partout, il y a des flics partout, il y a des gens à l'entrée des boutiques. Je suppose que ce sont des... Ah, j'allais dire des videurs, rien à voir. Des gens de la sécurité, mais qui sont habillés en civil pour pas trop... Enfin, je me suis vraiment pas sentie pas en sécurité dans cette rue. Lui, il aimait pas trop, mais voilà. Et voilà, il y a la police partout, donc quoi qu'il arrive, on se sent en sécurité. Il y a des caméras de police partout. Enfin, pour une grande ville, si toutes les grandes villes pouvaient être comme ça, j'irais visiter toutes les grandes villes du monde. Mais franchement, ce sentiment de sécurité, ce sentiment de repère, d'ancrage et de zénitude. Même si c'est une ville qui bouge beaucoup, mais le fait de ne pas devoir regarder tout le temps derrière son épaule, voilà, ça nous apporte une certaine zénitude. On n'a pas fait le métro, donc je ne sais pas ce que ça donne dans le métro. On a fait les bus, aucun problème avec les bus. On les a pris tôt le matin, en milieu de journée, tard le soir. Vraiment, aucun problème. Et je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ça se trouve, j'ai des détails. Que j'oubliais de préciser. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serais très contente d'y répondre. Mais voilà, le seul gros point négatif selon moi, c'est cette odeur constante de marijuana qui traîne dans l'air. Et c'est cher, voilà. On va pas se mentir, c'est cher. Vous pouvez vous en sortir entre les billets d'avion et l'hôtel pour trouver des bons... Comment on appelle ça? Des bons prix, des bons tarifs. Mais sur place, c'est cher. C'est vraiment cher. La nourriture dans les restaurants, dans les boutiques parce que c'est en hors taxe. Des fois il y a des frais parce que vous payez par carte de crédit. Voilà, c'est cher. On va pas se mentir, c'est cher. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir passer une semaine là-bas, mais c'est surtout pas donné à tout le monde, je pense, de pouvoir vivre là-bas parce que faut avoir un porte-monnaie quand même assez sensible. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si j'ai pas répondu à certaines de vos interrogations. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.